Eh bien, salut tout le monde, c'est Nardoc et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 15, je crois, de Warrior 4. Et donc aujourd'hui on va faire le Domino World, le dernier niveau du passage de base. Voilà. Donc je pense que vous êtes futé, et je pense que vous avez compris que dans ce niveau il y aura les dominos. Je fais des bruits chelous quand même. On voit des murs en domino. Et dès le début on voit notre ami Kaiser, mais forcément on peut pas y aller. C'est dommage. Et donc un niveau super original. Voilà, ça nous explique en gros, oh, le petit drapeau Wario, yeah. Ça nous explique qu'en appuyant sur ce bouton, et ben, on casse des dominos. Non, sans déconner, on a le vrai principe, il est ici. Alors, il y a un petit panneau là, un petit, je sais pas comment on pourrait dire. C'est le top départ, si vous voulez. Et après avoir franchi ce poteau, et ben, les dominos vont commencer à tomber. Et on doit atteindre au plus vite la fin. En fait, on doit atteindre la fin avant les dominos. Voilà, et appuie sur le bouton pour pouvoir ouvrir ces murs en domino. Sinon, bah on pourra pas choper les bonus qui s'y trouvent. Mon dieu. Voilà, faut se dépêcher en fait. Voilà, ils font un putain de tour. Et là, on a largement le temps. Si on n'y arrive pas, je sais pas ce qui nous arrive. Hein. Voilà. Franchement, là, si on n'a pas le temps, je sais pas ce qui nous arrive. Hein. Voilà, toujours la même chose, mais de plus en plus dur. Voilà, c'est peut-être pas un niveau que j'apprécie super, mais je le trouve super original par contre. Ça, c'est génial. Mais alors, mon copain, mais qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, frappe pas la tête. Merci. Voilà, petit niveau. On va le faire, parce qu'on est devant. Hein. Voilà, la jolie cascade. Qu'est-ce que c'est beau. Un niveau comme je les aime. Un niveau où on va se faire des bifetons. Alors on balance le papy couille. Non mais reviens. Voilà. Attention. Merde. Attention. Miam 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 les petits sous. Moi je pensais qu'ils allaient tous tomber sur moi. Bah bon c'est raté. Je vais essayer un truc. Il fait un de ces bruits horribles quand même. Oh yeah. Ah t'es bloqué. Génial. Je m'amuse comme un dingue. Merde. What? Ouais. Merde, je veux me baisser. Bon c'est pas grave. Ouf, c'est chaud ça avec un joystick. Attention, action. Heureusement que j'ai fait ça. Merde le con. Ah! Ah putain, je dois recommencer. Vite, 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 vite. Go, 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 go. Ah! Je vais pas avoir le temps, je vais pas avoir le temps. Mais non, j'ai pas eu le temps. Donc quand on n'a pas eu le temps, eh ben on profite pas du bonus. Et le bonus, ben c'est cette porte-là. Eh bien tant pis. C'est la vie. Cuit, cuit. C'est vraiment chaud avec un joystick. Voilà, je m'en doutais. Et il me reste plus que deux cœurs, je vais faire gaffe. On va passer par là. Et on va se dépêcher. Putain, c'est assez rapide quand même. Hein. Merci pour le cœur. Attention, moment nage. C'est bon. Je gère. Il suffit de se dépêcher. On prendra les trucs après. Non, ah, je stresse, mon dieu. Non, pas les dominos en furie. Oh yeah. Voilà. Ça aussi, je pense qu'il fallait vraiment être con pour le rater. Oh non, ok. On s'est fait avoir parce qu'on pouvait prendre que les trucs avant. Là, bah, ils sont devenus transparents. Quelle bande d'enfoirés, ces développeurs. Merde. Ah putain, il me bouffe. Il me bouffe épaisse. Voilà, ça je m'en rappelais. Tac. Juste le deuxième. Je panique, c'est dingue. Non, je veux toutes les gemmes. Pitié. Je remonte en sens inverse pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. J'ai un petit doute. Mais je pense que non. Qu'est-ce qu'il y a par là? Putain, c'est affreux. Je vous défie de le faire. Ah. C'est juste infâme.
J'aurais dû mettre les... Ouf, j'ai réussi. Ça, c'est beau. Voilà. Putain, faut le refaire. C'est bon. Merde, comment je fais? C'est pas grave. On va redescendre. Et donc, je vais aussi parler dans cette vidéo de du prochain let's play que je vais faire. Parce que c'est un jeu que j'ai envie de faire depuis un bail. Depuis un gros moment. Parce que c'est un jeu que je connaissais juste de nom. Et que j'avais jamais joué. Mais j'ai décidé d'acheter parce que je l'avais trouvé en occasion. Et j'étais conquis. Un jeu magnifique. Niveau scénaristique. Je sais pas si ça se dit. Aïe. Mon dieu, non. Niveau gameplay. Alors, histoire, gameplay, et graphisme, tout, l'ambiance, les OST aussi. L'OST qui passe dans les émissions à la con, là, sur... À la téloche. Mais vraiment... vraiment un jeu magnifique. Bon, je vous dirai pas le nom, forcément, c'est une surprise. Alors là, je sais pas du tout comment passer. Voilà. Ok, je suis venu pour rien. Donc vraiment un jeu en or. Vous verrez de toute manière, c'est un jeu épique. J'espère que vous en serez content et je vais pas vous le dire. Vous verrez bien par vous-même. En tout cas, j'ai très hâte de le faire. Putain, je me fais chaque fois avoir ça avec ces blocs là. Ok, sens inverse. Oula, défi de moto. Et on y va tranquillement. On va prendre. Ouais. Ouais. Hop là. Ok, donc il nous en manque plus que un. Vous avez vu, je sais compter. Non, merde. Voilà. Patap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 
Oh yeah, dernière gemme. Voilà, voilà, c'était le dernier niveau du passage Topaz. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut à tous!